Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Motorsport 7. Alors, je vais vous dire la vérité, j'ai déjà tourné cet épisode, mais il a bugué et j'ai pas pu vous le faire uploader et tout, parce qu'en fait il a coupé en plein milieu, donc ça n'avait pas enregistré ma voix. Et sur l'image, il y avait eu plein de bugs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le refaire tout de suite. Donc on va se refaire ce que j'avais fini du coup en vidéo avec vous, mais ça fait que ça a bugué. J'avais fini Breakout avec les camions. Certaine notoriété, ce qui fait de vous le pilote à abattre pour les autres. C'est dans le championnat Evolution que votre quête de la coupe va sérieusement commencer à se compliquer. Donc je vais la refaire avec vous avec les camions. Par contre, on le fera en deux vidéos. Je pense que c'est mieux. J'ai fait une seule vidéo et ça avait bugué, donc j'ai pas envie de refaire une vidéo de 1 heure avec un bug. Je préfère mieux en faire deux d'une demi-heure. Donc la première partie, on va faire les 3 premières courses en sachant que c'est super facile. Je vais laisser quand même cette parce qu'il y a une course que j'ai un peu de mal. Ouais, je vais laisser cette difficulté quand même. Et vous, comme vous pouvez le voir, mon pilote, il a changé de tenue. J'ai mis une tenue hivernale. Donc comme je suis passé de niveau, j'ai bien pris la tenue que je vous avais dit la dernière fois. Mais en fait, elle est moins classe que sur la petite photo qu'il y a en bas quand on l'a choisi. Donc c'est parti, on attaque la course. De nuit. Par contre, il va falloir mettre... Je pense que ça va la mettre tout seul, la vue intérieure, j'espère. Et dommage, c'est qu'au début, en fait, ça accélère pas les autres. Donc, durant la vidéo que j'avais enregistrée ce matin, on avait parlé de pas mal de choses. Bien intéressant, mais j'en suis un peu de la moitié. Donc oui, je disais qu'au mois de février il va y avoir cette étape Pana que j'ai hâte de voir et de vous faire voir ce qu'il vaut. J'espère qu'il sera très fidèle à l'original, tout en étant mieux même, c'est possible, surtout graphiquement. Et oui, et je vous disais aussi que Far Cry 4, j'ai essayé de accélérer le let's play pour pouvoir vous faire le 5 au mois de mars. Donc il va y avoir sûrement des lives dessus. Et Need for Speed aussi, j'ai accéléré le let's play pour pouvoir faire des courses avec mes abonnés. Avec des voitures beaucoup plus puissantes. Car là, hier soir, j'ai fait un live avec un nouvel abonné que justement j'ai qui s'est abonné pendant mon live, et franchement, il m'a mis la pâtée à toutes les courses. Je crois que j'en ai gagné qu'une seule, car mes voitures sont carrément en dessous des siennes. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer. Avec mes abonnés comme hier en live, c'était sympa. Mais j'aimerais bien que surtout sur les lives, ce soit beaucoup mieux. Parce que perso, c'est bof. Hein. Le live origine bug. C'est ce que ça s'est fait hier. Alors que niveau débit, moi ça va. Hein. C'est pas grave, on va recommencer. J'arrive à live, à faire des lives et tout, ça. Ah, là par contre, je pense que ça a trop accéléré d'un coup. Vu le coup de monstre qu'ils ont cette année. Donc oui, le live, je trouve que ça va. Maintenant, j'arrive à en faire de bien. Sans trop de bug. À part hier, ça a bugué un peu sur la fin.
temps, j'avais fait. Parce que là, je suis sur The Crew 2, enfin The Crew 1, plutôt, le 2. D'ailleurs, je me suis inscrit à la bêta, j'espère qu'ils vont me retenir. Ça fait un petit moment déjà, pour The Crew 2. Comme ça, je vais pouvoir vous faire des vidéos si j'ai le droit, bien sûr. Si j'ai l'utilisation d'Ubisoft, faire des vidéos dessus. En sachant que ça sera une bêta et pas le jeu final. Que j'ai trop hâte qu'il sorte. Il a l'air franchement excellent. Déjà que le 1, bon, je suis en train de le refaire sur PS4 parce que sur PC, en fait, le seul défaut que je peux trouver à The Crew, c'est qu'on ne peut pas recommencer une partie. Là, j'aurais préféré vous le faire largement sur PC, ça coûte moins les yeux. Et il y aura une meilleure qualité que sur PS4, qui serait de la 1080-60fps. Donc sur PS4, c'est de la 720-30. Il n'y a pas de synchro vertical à rien. Donc voilà. Youhou, je suis premier. Comme c'est bizarre. Donc oui, j'aurais préféré vous le faire sur PC, c'est The Crew. Mais bon, là je pense que ça va aller vite. Car j'ai pas mal farmé dessus. Et aujourd'hui, je vais vous faire deux vidéos, je pense, dessus. Des vidéos The Crew, je vais vous faire deux vidéos Need for Speed. Et je verrai le temps parce qu'après il faut les monter aussi les vidéos, ça prend minimum une heure par vidéo. Donc là les amis, ce qu'on va prendre, on va prendre l'argent. L'argent est beaucoup mieux. Vous ne pourrez jamais. Non. Merci. Je sais qu'après je pourrais pas, j'ai déjà essayé dans les courses, je me suis pris des fumes royales par les autres. Je préfère mieux avoir une difficulté comme ça, surtout avec les voitures qui vont largement me... largement me cramer. Après, avec les camions c'est très simple, mais avec les voitures c'est pas si simple que ça, en tout cas pour moi. Au début, comme on les crame, quoi. Non, là, j'ai pas de souris, donc arrêtez de serrer sur la droite, s'il vous plaît. Pardon. C'est qu'on m'a poussé. Je suis parti en arrière. Ah oui, par contre, dans ce jeu, ils sont agressifs, les drivatars. Et il est encore là, lui. Kanakamaoli. J'espère sincèrement que niveau capture ça ne va pas bugger. J'adore le couple de ces camions, c'est énorme. Donc oui, je vais vous faire aussi deux vidéos sur la Forza, tout simplement, et la suite. La deuxième sera beaucoup plus courte que la première, mais je vais essayer de vous uploader aujourd'hui. En sachant que là il est midi moins 5. Allez, feu d'artifice. Ah oui, j'ai changé de vue du coup un peu aussi. Pas regarder l'intérieur tout le temps. Ah, pas celle-là, s'il vous plaît. Voilà, celle-là elle est à peu près jouable, on va dire. Pas pour le départ, mais après elle est jouable. Comme je disais dans la vidéo précédente, enfin, vous avez pas pu voir la vidéo que j'ai tournée ce matin, j'aurais aimé que la vue soit un peu plus éloignée en fait. Légèrement plus, pour le camion. Pour le tournant, ça va, mais pour le camion, ça serait été cool. Hein. Le camion, ce que j'adore, c'est la tenue de route et le freinage qu'ils ont, c'est abusé. Ils sont vraiment top de chez top. Donc comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, en ce moment ça bouge pas mal, il y a pas mal de lives et de vidéos. Je suis très actif. Mais franchement ça fatigue, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir le rythme très longtemps. En plus j'ai de la famille qui vient lundi, donc lundi soir, lundi mardi c'est moi. Donc même mercredi, donc c'est pour ça, là j'en fais pas mal d'avance. Comme ça je vais pouvoir en monter pour vous en mettre
lundi, mardi. Exprès. Pour éviter que des trous. Je vais essayer de vous en faire minimum 2 par jour. Uploader. Sans compter que ce week-end, il y aura des lives. Et ce soir, si je suis pas trop naze, je ferai un live en attendant Dragon Ball Super pour le mater avec vous en live tout simplement. Car je suis fan de Dragon Ball. Et bah, j'ai baigné dedans depuis que je suis plus gamin, quoi. Après, il faut juste espérer que ma connexion suive. Il n'y a pas de bug. Là, il faudra que je sois moins fatigué que tout de suite. Car j'ai pas beaucoup dormi. Je suis malade, j'arrive pas trop bien à dormir en ce moment. Ouais, en tout cas, ça se passe tranquille, je pense. Autrement, ce que je vais peut-être faire, c'est plutôt de la faire une seule vidéo, pas réfléchir. On verra. Tant que ça prend. Et je comprends pas, c'est le bug qu'il y a eu ce matin. Après, ce matin, j'étais en train d'uploader une vidéo. En même temps, donc ça vient peut-être de ça. Ça vient de mon disque dur qui était trop sollicité, peut-être. J'ai augmenté le débit aussi, il y a un peu de mes records de vidéos. Mon débit sont 40 mégas, je crois. Mon bitrate. Que je vous donne une vidéo la meilleure possible, en fait. Donc, parce que YouTube vu que ça y assomme niveau qualité, c'est de vous en mettre au maximum la qualité. En sachant que maintenant je ne recorde plus du tout avec une release action. Car ça me fait saccader pas mal de jeux. Je recorde tout simplement avec Shadowplay, le logiciel d'origine de ma carte graphique. Et si j'avais su depuis le début que c'était si simple à utiliser, j'aurais fait. Donc je vous le conseille car la qualité est très bonne aussi. Et largement plus simple d'utilisation que Mobilis Action. Et surtout gratuit parce que Mobilis Action j'ai pris une trentaine d'euros. Donc voilà. Et voilà avec mon beau Mercedes. Et là, je crois que c'était Nürburgring, si je ne me trompe pas. Non, Yas Marinas. Marina. Je sais pas où j'ai vu le S à la fin, mais. Donc là, c'était la deuxième. Ouais, si je vous fais que 3 courses, ça va être trop court. Je vais tenter de vous faire les. Ah, ce que j'ai peur. Non, j'en faire que 3, je suis désolé. Bah, ça fera une vidéo courte. Et je vous tournerai la deuxième juste après. Comme ça, s'il y a un bug, j'aurai juste les 3 courses au début à faire ou les 2 courses après. C'est mieux. Beaucoup mieux. Avec ma tête de. Bonhomme de neige. Roi d'Amérique. Vous êtes bienvenue en Amérique avec Roi d'Amérique. Veuillez attacher vos ceintures. Ah oui, mince, j'ai laissé la vue extérieure pour le début, c'est pas top. Ah, ça va, c'est lancé. C'est pas un départ arrêté. Je crois que c'est... Regardez, ils accélèrent pas, ils freinent. Ouais. Lâchez les freins, bordel!
pas trop accélérer sur les viewers en temps et tour, parce que trop en tête à queue, elle est vite arrivée comme tout à l'heure. Allez, Vodafone, on commence. J'en suis sûr que Red Bull est roulé au Red Bull. Non, je sais pas. C'est nous comme blague en plus. Oh, tu vas derrière, troisième. Fais tes fous, tu t'arrêtes. C'est Vodafone en plus. Hein. C'est pas une crame. Là, par contre, on se connaît. L'orage est dangereux. On s'est fait avoir pas mal de fois dans la vidéo ce matin. Voilà, là tu peux l'attendre, c'est tout nickel. En plus, cette course, je crois que c'est celle qui a eu un peu de mal à être premier ce matin. Donc c'est pour ça que je ne vais pas augmenter la difficulté. Essence, ça me donne un niveau là l'essence. L'essence, t'aurais pas si peu de tournée. Et pourquoi il m'attrape tous d'un coup là? Oh, vous restez derrière? Pas possible. Enfin, voilà. Avant, on peut parler français. Oh, je vaut mieux que ça. Bon, j'arrive. J'ai promis. Allez, on est pas loin. Enfin, oui, c'est un peu crade. Hein. Putain, le turbo, il monte à 3 barres. J'ai toujours remarqué. C'est énorme quand même. C'est plus que ce qu'on met dans un pneu. On va dans un pneu caillon parce que eux sont... Ils sont pas mal à gonfler, comme je disais. J'ai l'impression d'avoir un camion moins puissant que eux. Je ne sais pas qu'en fait ça peut l'améliorer. Hein. Je pense pas parce que le camion est assez puissant. Ah, pourquoi je me gonfle tout le temps dans ce virage hein? Ah ouais, il chauffe pas trop le camion. Oh, la pression d'huile. D'accord. Compteur bloqué déjà, 180 à fond. Non, j'ai vraiment bloqué un peu les roues. Hein. On va passer devant. Il faut qu'on rattrape les deux. Je suis à la limite à chaque fois des ruptures dans cette côte. Cette fois, ça va en distance. Un peu de capteur qui est juste au-dessus de nous. Bon, en fait, le bug que j'ai eu ce matin sur ma capture, c'est que ça n'a pas enregistré mon micro. Et ça faisait des artefacts sur la vidéo. Il n'y aurait pas eu ces artefacts, je vous aurais pu faire un commentary. Comment dire, différé. C'est-à-dire que j'ai commenté ma propre vidéo. En vous parlant et tout pour vous accompagner. Mais avec les artefacts, c'était moche. Donc, non, merci. Donc voilà pourquoi je vais le faire en vidéo. Vous avez vu, on a le 4ème tour, j'avais toujours pas bloqué. Lui. Enfin, bloqué, doublé. Là, j'ai bloqué. Là, tu mords mon temps partiel. Il faut rester en 5 parce que si on passe à 6,
trop tôt dans la côte, on perd l'accélération. Et puis derrière, on nous rattrape vite. Et voilà, premier. Vous avez vu, au dernier virage. Au dernier virage, j'ai réussi à passer devant. Bon, voilà, merci. Bon, les amis, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous inquiétez pas, je vais faire l'autre vidéo tout de suite après et vous les uploader les deux d'affilée. Comme ça, vous aurez les deux parties quand même assez proches pour que ça soit plus simple pour vous, quoi. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ou attendez, j'ai une autre idée. Oui, je vais pas faire ça, je vais faire une coupure et re-enregistrer, comme ça, ce sera en une seule vidéo. Ça vous éviterait de faire deux vidéos. Donc, je coupe, à tout de suite. Me revoilà, donc on va tourner tout de suite la deuxième partie de la vidéo. Et hop, on y va, tranquillou. Et normalement, si je me souviens bien, les deux derniers circuits sont sous la pluie. Ah, je sais pas pourquoi j'avais pas pensé à couper la vidéo comme ça. Surtout que pour vous, ça changera pas grand chose. Hop, allez, chargement, chargement, chargement. Alors, équipement pilote, je vais vous faire voir. Donc, ce matin, on a gagné ça. Enfin, j'avais gagné ça. Voilà. Il y en a pour... Il y en a pas mal, hein. Je pense que pour tous ces avoirs... Des rares, des communs, des supérieurs. Là, c'est des rares. On va se mettre celle-là. Ça change. On va être Anthony Ford dans un Mercedes. Et là, on est à Nürburgring. Donc, c'est un circuit allemand. C'est le circuit de GP. Moi, je préfère le circuit normal, l'entier à 20 km ou 22 km, je crois. C'est parti pour la deuxième partie en espérant que celle-ci ne bug pas. Ah ouais, c'est sous la pluie, ils sont encore plus lents au démarrage. Et c'est à l'intérieur, ça va en doubler pas mal. Pas trop, je coupe. Donc j'ai foncé dedans, lui. Ça serait été vraiment réaliste, ce dégât. La cabine serait à moitié mort déjà. La moitié en mode tondeuse, c'est pas bon. Aïe. Je tape dans tout le monde en plus. C'est stop car avec moi, c'est pas du camion. Dedans, toi. Dégage. Il m'énerve. Là, je pense vraiment dans tout le monde. Hein. Ma conduite est pas top top. Hein. Ah, il est encore là, Kanaka Maoli. Ce pseudo original, lui. Ouais. J'ai senti mon cul en train de se barrer. Bien avec les gâchettes. Je le trouve trop beau sous la pluie. Oui, donc je voulais aussi vous dire, les amis, que hier j'ai vu sur Facebook un report, un article, voilà, j'ai trouvé le mot, un article sur les jeux qui font le plus forcer les cartes graphiques en 2017, enfin non, pas en 2017, pour Noël 2017. Alors j'ai vu que ça s'appelle Project Cars 2 était devant Forza 7. Alors celui-là qui a écrit l'article, donc le journaliste, a dit qu'il préférait Project Cars 2 que Forza 7. Donc personnellement, j'ai testé les deux.
Et personnellement, pour moi, il n'y a pas photo, c'est Forza 7 le mieux. Alors, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis en commentaire, s'il vous plaît. Ça serait cool. Et ouais. Donc, ouais, pour moi, c'est carrément Forza 7 qui est mieux, la plus mieux faite. Même sans parler des graphismes, je trouve que la prise en main du jeu est largement mieux. Et en plus, avec la voix, j'aime bien. Voilà. Les musiques sont top. Malgré que vous ne pouvez pas les écouter, vous, parce que si vous aimez, ça, la vidéo va être pourrie. Comment dire. Car il y aura peut-être des baisses de son par YouTube et compagnie, ou carrément supprimer la vidéo. Donc, j'ai pas trop envie de ça, donc je vais baisser le son des musiques dans tous les jeux que je fais. Donc, vous avez pu voir aussi que j'ai fait The Crew, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, dans la première partie. The Crew, la mode histoire, si je me souviens bien, elle est pas si longue que ça. Déjà, j'ai augmenté mes voitures, plus d'environ de 600. Bon, c'est tous des GTR. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils savent que c'est la GTR, ma voiture préférée. Non, c'est la GTR R34, c'est pas la R35, parce que la R35, il faut avoir un add-on que j'ai sur PC. J'ai toutes les add-ons sur PC, j'ai 60 pages et tout. Mais pas sur PS4, j'avais pas envie d'acheter la saison pass et la donne avec la police pour ça quoi. Pour juste un let's play parce que en plus pour moi il faut pas trop la peine sans PS4, il est pas top niveau graphique. Si on retourne à 30 images secondes, ça me pique les yeux. À comparer tout de suite quand je joue à ce jeu qui est quoi, une pure merveille de. Regardez ça, il est magnifique tout simplement. Il est vraiment beautiful ce jeu. Il y a banqué lui à 5 vertical qui est pas sur les consoles, ça j'ai remarqué. Wow. C'est un truc de fou. En plus là mes graphiques ils sont loin d'être à fond. Ma carte graphique elle était 48%, mon processeur elle est 85%, 40%. Mais bon, je vous montre plus que il est mal optimisé pour ma config, il est optimisé pour la config AMD. Donc si je mets trop haut, il va y avoir des micro-lags que moi je vais voir, je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi je vais le voir dans mon let's play et ça va pas me plaire, c'est pour ça que j'ai laissé en dynamique. Donc là c'est comme si j'avais les graphismes de la Xbox One, les mêmes. Donc voilà. Et quand par exemple je joue à Need for Speed, hein, une pure merveille de 2017 comme jeu, je trouve, le payback. Quand je joue à ce Need for Speed là, waouh, malgré qu'il soit pas en ultra, non, les options graphiques, il est magnifique, il est vraiment super beau. Et je pense que mon frère va le prendre sur PS4 et je vais peut-être vous faire une vidéo dessus. Enfin non, si je vous fais une vidéo, ça sera de la triche, parce que ça serait en 720p et pas en 1080, donc on verra pas trop la différence. Donc je vous ferai peut-être une vidéo comparatif quand j'aurai un boîtier d'acquisition. Que là actuellement j'en ai pas. Tout simplement j'en avais un mais que je me suis jamais servi, j'ai dû essayer une ou deux fois. Avec mon ancienne config, la AMD A10 que j'avais. Et ça arrivait pas à encoder l'image assez vite et tout. C'est... Les anciens processeurs AMD, surtout les versions A, A10 et quelques. Après les FX j'ai jamais testé donc je peux pas vous dire, mais les A10 et tout, je pensais que c'était un bon processeur vu que j'avais acheté, bah non, en fait c'était de la... Mais bon, prochain processeur sera un Ryzen, donc je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, sera un Ryzen le Ryzen 1, après je sais pas les nouveaux comment vont être, vraiment je vais en avoir une version 2018, donc je ne sais pas du tout. Comment vont s'appeler si c'est toujours 1200X comme sur le petit jeu ou autre chose. Je compte bien prendre celui-là avec beaucoup plus de docker pour vous faire du meilleur montage et meilleur stream. Surtout des streams meilleure qualité, ça fasse moins chauffer mon PC, qui se fatigue moins. Et mine de rien, ça le fatigue de faire du montage pendant je sais pas combien de temps, parce que en ce moment je fais du. On va dire que mon processeur par jour il doit être à. Alors grosso modo il doit être à pratiquement 4 heures ou 5 heures à 100%, c'est énorme. En plus j'ai mis en version turbo donc il a 4,4 GHz, un i7 4790K,
Il a 4 coeurs physiques et 8 coeurs logiques. Et déjà, je le trouve puissant, mais le problème, son gros défaut, c'est qu'il chauffe. Après, j'ai vu qu'il y avait des astuces sur internet pour éviter qu'il chauffe, c'est-à-dire changer la plaque thermique intérieure. Plutôt sur des processeurs à l'intérieur sous le capuchon, en fait, que Intel met de la pâte thermique bas de gamme, du coup ça fait hyper chauffer le processeur. Donc voilà, après il faut remettre du métal liquide, mais le métal liquide il faut changer tous les ans, donc c'est moyen. Ou une plus haute gamme, quoi, une moyenne gamme au moins, parce que là c'est vraiment bas de gamme. Pour voir le prix qu'on paye du processeur Intel, s'il vous plaît, mais de la pâte thermique interne, ils valent le coup. On paye le processeur, j'ai payé 350€ je crois celui-là. Donc merci de bien vouloir faire ce qu'il faut pour éviter qu'il chauffe comme un barbecue. Ce serait vraiment très très gentil de votre part. Bon, à mon avis, la capture ça sera bien passé car il n'y a pas eu la coupure. Attends, je suis bien content, il me reste pas un tour sur ce circuit de tremper et que les autres camions n'ont pas. Et oui, en refroidissement, pourtant sur mon i7, j'ai un Octua Pure Rock, je crois que c'est. En demi-heure. Et en pâte thermique, j'ai du Grizzly. Donc c'est pas de la merde non plus. Et il chauffe toujours à 57 degrés quand je fais le montage. En sachant que en tout, à 60 moi ça fait planter mon ordinateur. Et du coup voilà, mon montage est fichu, il faut que je recommence. Et si je le mets en... Comment ça s'appelle ? En normal, ça met deux fois, enfin ça met beaucoup plus de temps à faire le montage. Et qu'à 0,4 GHz de moins par cœur, donc x8, donc 8 x 4, 32, ça fait pratiquement un cœur de moins. Vous voyez, c'est pas top. Et tout ça aussi pour vous dire que je m'aide aussi du CUDA de ma carte graphique Intel HD, de ma carte mère, et la carte graphique GTX 980 pour faire mes montages avec le CUDA qu'il y a dedans. Avec Adobe on peut faire ça. Du coup ça, déjà ça m'accélère vachement le montage. Mais bon voilà. Ça l'accélère oui, mais c'est tout quoi. Ça n'empêche pas que ça se fatigue tout ça. Donc je sais que quand je vais acheter un Ryzen, il va falloir changer de carte mère. Que je change aussi de RAM, parce que ce sera la DDR4 qu'il va falloir en haute fréquence. Là j'ai de la 1600 MHz, il va me falloir de la 2400 ou 3600, comme ça il faudrait vraiment me renseigner sur le mieux qu'il me faudra falloir pour cette configuration là. Et la configuration que j'ai actuellement, je vais la garder pour faire par exemple des montages, d'autres montages et pour faire un PC pour stream, parce qu'il va chauffer, pour faire un montage aussi des fois le stream, vu qu'il n'aura pas le jeu à s'occuper, donc il pourra faire 100% stream. Voilà, tout simplement, voilà mes projets pour 2018. Donc au niveau volant, je m'en sers plus trop en ce moment, donc je vois pas l'intérêt de m'acheter un Logitech G920. Car pour vous dire la vérité, moi j'aimais bien jouer à Overclock Simulator 2, et en ce moment je crois qu'il va falloir que je désinstalle et que je réinstalle, car il bug. Que je joue avec la manette au volant, il bug à fond, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, ça tourne tout seul, donc je tourne, enfin je roule avec mon braquant à fond à gauche, et je peux pas tourner à gauche parce que le train va tout droit. Je suis obligé de contre-braquer tout le temps.
laisser tous les réglages possibles dans le jeu, ça ne veut pas. J'ai désinstallé mon volant, j'ai réinstallé, ça fait pareil. Donc voilà, je compte désinstaller le jeu, pour l'instant je ne joue pas trop, donc après je pourrais faire peut-être des petites vidéos avec vous, je ne sais pas encore. On verra quand on sera plus nombreux sur la chaîne. Je compte aussi faire peut-être des vidéos avec vous de comment ça s'appelle, constructeur en construction simulator, surtout The Crew 2. Ah, le 2, oui. Même le 1 si vous voulez. Le 1 je peux en faire aussi avec vous. Car bah, j'ai mon. Je l'ai sur PC. Mais c'est beaucoup mieux de faire ça sur PC que sur PlayStation. Même sur Need for Speed comme j'ai fait hier, c'est sympa. D'ailleurs, je remercie Hypno. Et voilà, on a fini. On a fini là, le championnat. Super pilotage. Ouais, cette place sur le podium est bien méritée. Et oui, qu'est-ce que tu croyais? Non, ça nous a fait un peu plus d'argent, c'est pas grave. Bon, on va reprendre l'argent. 40 000 en plus, 326 213 crédits. Donc voilà, alors la prochaine fois, on va regarder vite fait ce qu'on va faire. Alors, on peut faire des courses là-dedans. Moi, j'aimerais bien vous. Enfin, après, ça, c'est 6 courses avec. Et des voitures qu'il faut dedans. C'est ici que tout a commencé pour les compacts. La Golf, la Fiesta et la Civic ont prouvé qu'on pouvait prendre énormément de plaisir dans des petits modèles. Montez à bord de l'une des premières compacts et découvrez ce qui rend ces petites sportives si populaires, même plusieurs décennies plus tard. Alors, on pourrait faire ça la prochaine fois. Du coup. J'ai la Golf. Alors, en voiture, autrement, on peut choisir d'autres voitures. On peut choisir soit la AMC Passer X. La Honda Civic. Non, c'est RX, le premier modèle. La Honda Civic SI. La Volkswagen Sirocco. Elle est belle, celle-là. La Dodge Shelby. C'est une Shelby, ça? What the délire? Omni GLHS. La Ford Fiesta XR2. Wouah, c'est déchire. Wouah. Je crois que les amis, on va prendre une française plutôt, non? Ça vous dirait pas une petite William? Ou une petite R5 Turbo? Après, il y a la Golf 2. Je crois que c'est la 2, celle-là. Ah oui, MK2, c'est la 2. En GTI 350 ou la Golf MK1 Raybit GTI, c'est la toute première Golf. Alors moi, je vous dis franchement, ok, elle est peut-être un peu moins bien notée que les autres, mais moi la Clio Williams, ça me plaît beaucoup, donc on va la prendre. Et on va, j'aimerais bien voir la couleur d'origine, s'il vous plaît. Couleur fabricant, ça me va très bien. Acheter. Et pour le fun, on va aussi prendre la R5 Turbo. Oui, je sais, je suis très Frenchy. Par contre, je suis dégoûté. Ils ont pas mis la 205 Turbo 16 dedans. Non, on va pas l'attaquer tout de suite. Non, non. Je ne veux pas. On peut pas quitter, là. Non, non, mais... Je ne veux pas. Je voulais juste acheter la voiture. Merci. Non, ça charge vite ou pas? Bon, en tout cas, on sait qu'est-ce qui va nous attendre pour la prochaine vidéo, les amis. Ce sera le circuit Catalogne. Et on va sortir. On peut sortir ou pas? Ah, on peut faire même ici le fort. Enfin, le. On va. On peut même pas. Ah si là. Oui, ça risque de s'ouvrir devant. Waouh. Regardez-moi ce petit moteur 1 litre 6. Enfin non, c'est un 2 litres normalement sur William. Je sais pas pourquoi c'est marqué F16 dessus. Waouh, il est beau hein. Le coffre, qu'est-ce qu'il y a? Waouh, quelle belle moquette. Et dedans.
Wow, c'est la version anglaise, non? Et le volant, nous, de l'autre côté, hein. On peut même pas se mettre au volant, c'est nul. Bon, de toute façon, on va quitter là. Hop, alors... Comment on fait pour quitter? Voilà, quitter. Revenir au menu principal. Donc, on va juste la démarrer et je vais vous laisser là, les amis. Je pense que ça fera une bonne petite vidéo. Hein. Comme on a l'habitude de faire sur cette chaîne. Cette fois, on va la démarrer. Non, démarrer, voilà. Wow. Le compteur. Boîte 5. Ouais, ça c'est un truc qu'il faut pas faire. On redémarre. L'intérieur, on doit peut-être moins entendre. Il faut pas faire le même bruit que la porte fermée. Si, c'est pareil. Bon, ça, ils auraient pu faire un peu mieux. Bon, les amis, nous, on va se laisser là à bord de cette magnifique Clio Williams. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à me donner votre avis et à la partager. Vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien. Et ciao, ciao.